Bonjour messieurs, dames, et merci d'être là. Nous sommes le 12 septembre 2019 et vient de se dérouler à l'intérieur de la cour d'appel de Rennes au Parlement de Bretagne. Donc le délibéré de l'audience de jeudi dernier, 5 septembre, du procès en appel de Nadine Plestan pour diffamation. Nous avons ici Maître Dominique Concou, son avocat, et Madame Plestan. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous tenir au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, en effet, il y a eu on avait fait une demande de report, puisqu'on pensait que ce n'était pas le moment de plaider cette affaire qui était venue le 5 septembre pour plaidoirie. D'abord, moi-même, comme des confrères, on n'avait pas la totalité du dossier. Et donc, on entrait dans ce dossier sans qu'on ait eu le temps de le préparer sérieusement. Et deuxième chose, c'est que dans la stratégie que nous avons élaborée, nous tenions à ce que d'abord Madame Plestan et M. Éric Garnier retournent dans le 22, où ils avaient été exilés selon les termes de la cour d'appel. Donc nous avons pu obtenir la fin du bannissement, qui est une mesure pour moi plus qu'exceptionnelle, puisque même impensable en ce qui concerne la France contemporaine. Donc il est maintenant clair que Madame Plestan est revenue dans le 22, et nous voulions aussi que les enfants sortent de ce bannissement aussi, puisque actuellement la maman n'est même pas autorisée, le fils, qu'à savoir où les enfants étaient placés. Ils ont été placés dans des lieux secrets, y compris pour la scolarisation. Donc ce que nous souhaitions, c'est que le procès en diffamation, qui est un autre volet de cette affaire, ne vienne pas perturber cela. Et donc le 24, nous aurons le délibéré en ce qui concerne l'affaire, le placement des enfants. J'ai bon espoir que nous allons gagner le 24. Donc, dans la stratégie que nous avons mise en place, nous souhaitions que cette affaire de diffamation soit plaidée plus tard. Qu'elle soit plaidée plus tard, et c'est ce que nous avons pu obtenir aujourd'hui, puisque finalement, ce dossier, après avoir rejeté la QPC que nous avons mise en place avec mon confrère Philippe Fortin-Labattu, après avoir également rejeté notre demande de report, il se trouve que l'affaire va être plaidée le 24 octobre. Si vous faites bien le calcul, c'est que du 5 septembre à aujourd'hui, jusqu'au 24 octobre, on a eu quand même de manière haute, technique, le report que nous souhaitions obtenir. Donc nous aurions, une fois que nous aurons obtenu que les enfants sortent du lieu où ils sont, que les enfants reviennent sous le contrôle de leur maman, que nous pouvons tranquillement démontrer que, un, il n'y a pas d'information, que deux, je ne dis pas tous les secrets du combat, en tout cas, nous allons combattre maintenant cette fameuse affirmation que Madame Plestan a diffamé le conseil du Code de la mort. Hein, le Code de la mort, voilà. Donc voilà l'état actuel du dossier. Et c'est important pour nous, par loyauté, de pouvoir informer tous ceux qui nous suivent, de savoir où nous en sommes. Et c'est important également parce que quand je suis entré dans ce dossier, il y a maintenant à peu près un mois à peu près, tout semblait pratiquement impossible à faire. Et maintenant, j'ai envie de dire que l'impossible est derrière nous maintenant, puisque maintenant nous savons bien où nous allons, que tout ce qui était impossible à faire, on l'a fait. Faire venir Madame Plestan, faire venir M. Garnier dans le 22, ils y sont maintenant. Ils peuvent se promener, vivre, gérer leurs entreprises, travailler sans problème. Et ce qui était aussi impossible à l'époque, c'est d'imaginer qu'un jour les enfants puissent les voir. Et je crois que vu l'audience à laquelle nous avons assisté, vous avez assisté vous-même, nous sommes très rassurés et nous avons confiance vraiment
aux magistrats de cette cour d'appel. C'est des magistrats qui prennent beaucoup de hauteur, qui il y a beaucoup d'humanité. Moi, je leur rends vraiment hommage. Et alors, ce que nous souhaitions, c'est que, comme beaucoup de familles que nous rencontrons ou qui nous appellent, demandent où vous en êtes, je souhaiterais qu'il y ait un grand séminaire qui puisse se passer, je crois que dans la région d'Angers, hein, c'est cela, un grand séminaire. Et je disais ce matin que c'est peut-être la première fois que Madame Pleston prendra la parole, la vraie parole, c'est-à-dire que celle qui dit, qui permet de dire d'où on vient, où nous en sommes et où nous allons. Parce que c'est important cela. Avant, même si la dernière fois elle a parlé, je crois que c'est plus la conjoncture. Mais là, il sera question de faire un peu plus qu'un parcours, hein, de dire à travers son témoignage qu'au fond, c'est possible de sortir de cet engrenage, de cette histoire de glu et qui vous emmène à tout instant. Vous allez à une audience, vous êtes sûr que vous allez être condamné, les enfants vont encore être placés. Et peut-être qu'une fois qu'il aura expliqué tout cela, et avec tout ce qu'on a découvert, ça vous le savez bien, on a découvert à quel point le département lui-même était engagé dans cette histoire, on a découvert à quel point ils sont capables de violer le secret de l'instruction, c'est quand même une chose grave, capables de violer le principe de l'innocence. Et donc tout ce qu'on a découvert, je crois, va être mis en lumière. Pourquoi ? Pour dire que souvent les familles ne font pas attention, mais pourquoi on les poursuit ? Pourquoi on les pourchasse ? Et il y a peut-être une manière de réfléchir et de traiter autrement le dossier. Et ce serait bien que vous puissiez en parler, Madame Pleston. Oui, donc tout d'abord, je donne rendez-vous donc aux familles pour qu'on donne un petit peu plus d'explications sur tout le travail qui a été fait depuis un mois par Maître Dominique Gounkou, Maître Fortabat-Labattu, qui nous a rejoint sur Rennes. Et éventuellement l'intervention d'autres avocats qui ont été présents aussi, qui ont pris au sérieux ce problème d'expulsion du département. Et donc nous souhaitons réunir donc les familles, certaines corporations donc sur le secteur d'Angers donc le week-end du 28-29 septembre, de façon à vous donner les informations sur tout le travail qui a été établi par les différents avocats, en particulier Maître Gounkou. Et qu'on puisse vous donner un petit peu les manières de combattre, la manière avec laquelle on veut vous abattre, la manière avec laquelle on veut vous mettre à terre, mais que à chaque fois il faut se relever, à chaque fois on prend un coup, il faut en donner deux, hein. C'est-à-dire que vous voulez me faire taire, mais je ne me tairai pas. Vous voulez m'éloigner de mes enfants, mais vous n'y arriverez pas. Et ça, il faut absolument, absolument que les familles comprennent ça. On a rencontré hier une maman qui me dit « Tout ce que j'ai fait avant, ça n'a pas marché. Tout ce que j'ai fait avant n'a pas réussi, donc je vais laisser tomber. » On lui dit « Non, tu n'as pas le droit. Tu as ton enfant qui vit les pires choses dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Et c'est vraiment pas le moment de baisser les bras. Hein. » On sent qu'il y a une telle liaison qui se fait entre les familles, les certaines corporations, même les psychiatres, qui ne comprennent pas pourquoi ils voient défiler dans leur cabinet des parents qui viennent en expertise alors qu'ils n'ont rien à y faire. Et puisque des gens prennent conscience qu'on emmène les familles vers des voies de garage, vers des endroits, vers des situations où on les oblige à lâcher, on les oblige à arrêter le combat pour leurs enfants, malgré mon expulsion, malgré tout ce qu'on a pu nous faire vivre, on a toujours levé la tête parce qu'on savait que nous étions des bons parents. On savait que nos enfants étaient en danger, on savait qu'il fallait les sortir de là. Et ce que je veux donner surtout aux familles, c'est le courage de se battre. Continuez à vous battre, continuez, ne lâchez rien. Ce sont vos enfants qui sont les premières victimes de cette situation. Nous, nous sommes libres, nous sommes à l'extérieur. La vie a changé, notre vie a explosé. Mais à aucun moment, vous ne devez abandonner vos enfants et à aucun moment, vous ne devez baisser les bras pour eux. Par loyauté pour eux d'abord. Et on veut absolument, donc lors du séminaire qui aura lieu donc sur Angers, avec l'association Termoutis, qui va nous accueillir et qui va organiser cette rencontre,
On va pouvoir vous expliquer tous les mécanismes que Maître Kunku a mis en place pour faire sortir les loups du bois et qu'on arrête de se moquer des familles, que toutes les procédures faussées arrêtent pour les familles et qu'on sorte tous ces enfants de l'enfer surtout. Merci, dont acte. Rendez-vous donc les 28 et 29 septembre prochain dans le pays angevin. Les informations relatives à cet événement seront publiées en temps et en heure d'ici là. Merci beaucoup, messieurs-dames. Et je précise qu'avant le 26-28, il y a aussi un autre rendez-vous ici, puisque c'est le 24. Exact. C'était un rendez-vous important, puisque nous avons plaidé pour qu'on mette fin à ce qu'on appelle l'exécution provisoire, à la fois des jugements de replacement des enfants pendant 2 ans, mais aussi de l'ordonnance de l'éloignement. Où on n'a pas voulu que Madame Blesson puisse savoir simplement sur scolariser ses enfants. Et cela est une atteinte très grave, une atteinte, je dirais, même à tous les principes de liberté. Et donc voilà, je vous donne aussi rendez-vous à cette date. Et merci à vous qui assurez la retransmission de toutes ces choses. C'est un sacrifice énorme, mais c'est... Je dirais que c'est très honorable. Parce que sans information, rien ne bouge. Et il faut communiquer. Nous sommes dans un monde qui communique par tous les moyens. Et je crois que la cause de nos enfants exige que la communication soit bien gérée. Et vous la gérez très bien. Merci beaucoup. Merci, maître. Merci.